Là, combien ? 1539. Non, c'est bon. Vigne, entretenue, végétation. Vous y allez pas au hasard ? Sur ces parcelles, comment vous faites ? Non, du tout. En fait, on nous a donné, du coup, la fédération de chasse nous a donné une carte. Nous, on est sur le secteur, du coup, de Sals. Et puis après, on se repère avec le cadastre d'Iphigénie et on regarde un petit peu sur nos cartes. Et en fonction de là où on a fait le relevé, on colorise sur la carte. Et en fait, on remplit en fonction de la clé de détermination qu'il y a ici. Après, on va rentrer avec une certaine nomenclature. On va tout rentrer sur un logiciel qui s'appelle QGIS. Je suis issue d'une famille de chasseurs avertis. Je suis pas, personnellement, j'ai pas de permis de chasse, je chasse pas. Je le découvre pas, mais après la licence Progaderm apporte un autre aspect, c'est-à-dire que là par exemple on est en train de voir des aménagements qui valorisent en gros les milieux de la petite faune. Et je savais pas qu'au sein des fédérations de chasseurs il se passait ce type d'aménagement, et je pense que c'est une très bonne chose, et c'est quelque chose que les gens ils savent pas beaucoup des fédérations de chasse. Ouais, ça t'étonne pas que les chasseurs s'investissent dans ce genre d'opération ? Non, absolument pas, parce que depuis maintenant quelques années, c'est une mission qui est confiée aux fédérations de chasse, c'est-à-dire de s'impliquer pas forcément dans les espèces qui sont chassables, ou les milieux qui ont un attrait pour le gibier. Les chasseurs donc s'impliquent de plus en plus donc sur toute la biodiversité au sens large du terme. On va se revoir d'ici la restitution aux communes et aux associations, on va se revoir au moins deux fois et peut-être trois fois. Et en dehors de la partie notée, nous on va essayer de les accompagner pour répondre à un cahier des charges qu'on devine un petit peu depuis le temps qu'on travaille ensemble. J'ai été agréablement surprise par la première rencontre avec la fédération de chasse dont nous avons sur le village une association de chasse qui est active. Et en 2015, j'ai eu la chance d'assister en tant qu'élue à la restitution de l'étude réalisée par la licence Gader. J'ai été très étonnée de voir le sérieux de ce travail qui a été réalisé à la parcelle, avec des propositions d'aménagement du territoire, tenant compte de la fréquentation des espèces existantes, de faire des propositions et d'aller jusqu'à fixer le coût que représenterait l'entretien de ces espaces-là. Les chasseurs ont fait beaucoup de travaux sur des espèces chassables comme la perdrix, et le fait que ce soit la perdrix est une espèce parapluie d'une certaine manière, quand on travaille sur cette espèce, on est sur de l'ouverture de milieu, sur de l'entretien de friches, qui est aussi très bénéfique à pas mal d'espèces protégées, et comme un peu dans d'autres pays, notamment le Canada, moi je trouvais dommage qu'on n'essaye pas de mettre autour de la table de façon simple et efficace, avec du bon sens, l'ensemble des structures. Et ce qu'on disait tout à l'heure, qui est intéressant, c'est que souvent entre l'idéal qu'on pourrait espérer et la réalité, on s'aperçoit parfois qu'entre les deux, il y a un chemin qui est peut-être intéressant pour essayer d'avancer dans le bon sens et en étant constructif. C'est un peu l'idée sur laquelle on travaille, l'ensemble du service technique, depuis pas mal d'années. Je ne vois pas comment un maire aujourd'hui pourrait ne pas avoir dans son programme des actions en faveur de la biodiversité, de la gestion des territoires, etc. Donc ça les intéresse, bien sûr, au même titre que nous.